Bon matin, Légurien. Merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce 11-12. De ce 12 février 2020. Oui, je peux me tromper dans les dates, mais vous savez que. Voilà. Quel jour nous sommes. Ça change tous les jours. Moi, je ne retiens jamais. Voilà. Pourquoi vous me dites ça? Alors, on va faire la carte divinatoire. J'ai pris les cartes divinatoires d'Algariel et en même temps le Yagel Didier. Pour un peu changer, parce que je sais que je ne les utilise pas beaucoup dans les vidéos. Donc voilà. Alors, je vais aussi aujourd'hui j'ai envie d'utiliser les charmes. Mais voilà. Donc ce que je vais faire. Hop. Vous savez quoi? Je vais prendre 6 cartes de ce jeu de Yagel Didier. Je vais faire un petit tableau. Je reprendrai 3 cartes éventuellement pour l'amour avec le jeu d'Alcide. D'Alcide Nathanaël. Il y en a beaucoup qui sont tombés ici. Hein. Nous avons quoi les poissons? Nous avons la femme. Nous avons la clé. Et l'équilibre. Alors ici, déjà, vous allez trouver. Il y a certainement aussi plusieurs sortes d'équilibre aujourd'hui pour vous. Il va y avoir un équilibre financier. Il va y avoir un équilibre, une solution. D'accord? Un équilibre, une solution, quelque chose qui va vraiment vous aider, vous éclairer. Je vais quand même vous montrer peut-être les cartes. Hein. Voilà, le poisson. La femme. La clé. L'équilibre. Donc, moi j'ai besoin de regarder les cartes pour pouvoir s'interpréter. Donc oui, il y en a, j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, vous avez la solution. La solution est en vous, complètement en vous. Soit vous avez oublié quelque chose, mais c'est dans votre tête. Alors réfléchissez. Peut-être que vous avez oublié, peut-être que vous ne pensez plus à ça, mais il y a une solution qui est dans votre tête. Peut-être que vous avez déjà, pour certaines personnes, vous avez déjà. C'est comme si peut-être vous avez déjà pris une décision et vous l'avez oubliée. D'accord? Donc voilà, ça parle aussi d'argent. Donc une solution par rapport à des finances. Et on retrouve aussi un équilibre financier. Pas spécialement. C'est plutôt. Je ne vais pas dire que vous allez gagner vraiment le gros lot. Non, ça va être plutôt pour certaines personnes, si vous avez un petit peu. Si vous êtes tous les mois un peu dans le rouge, ben vous allez certainement pouvoir arriver à ne plus être dans le rouge. Donc vous allez arriver. À pouvoir gérer mieux votre argent et trouver un équilibre pour ne plus descendre, voilà. Donc, et ça va aller de mieux en mieux. Pour certains, d'ailleurs, il y a la justice qui va, il y a une certaine justice qui va être bénéfique pour vous. Je ne vais pas commencer comme ça, sinon je vais encore une fois passer la journée. Donc, on va voir ce que c'est maintenant les 6 cartes pour la journée. Voilà, allez, hop, on fait comme ça. Alors, les plaisirs, je vais vous les montrer parce que je ne les utilise pas souvent. Les plaisirs.
le diable. Le plaisir et le diable, n'est-ce pas? Nous avons ici les anneaux. Ensuite, nous avons la lune. L'étoile. Il y a encore du vent. Et enfin, le renard. Ok. Ok, ok. On y va? Alors, cette journée, les amis. Faites quand même attention de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Parce qu'il y a plaisir et le diable. Donc, ils sont très proches. Donc, attention aux tentations. Attention, par exemple, je vais vraiment prendre un exemple qui me vient comme ça, dans la tête, comme ça. Vous avez arrêté de fumer il y a longtemps. Et puis, aujourd'hui, voilà, pour une raison ou une autre, je reprends une. Plaisir, mais on est reparti. On est reparti, c'est pas avec une, vous êtes reparti. Pardon. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez besoin de vous... changer les idées. Vous avez besoin de vous changer les idées. Parce que vous êtes triste. Parce que vous êtes triste parce que quelqu'un vous a... vous a trompé. Pas le sens sexuel ici. Hein. Vous a trompé. Quelqu'un vous a trompé. Vous a menti. Quelqu'un a été hypocrite avec vous. Et... aujourd'hui, donc, vous allez voir qu'il y a certainement quelqu'un qui va vous porter chance ici aujourd'hui, plutôt pour vous protéger. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir difficile. Parfois, il y a des mots qui ne sortent pas, en fait. Des propositions. Vous allez avoir des propositions qui vont être alléchantes. J'ai envie de vous dire, faites attention. Ça peut être une ruse. Ça peut être une ruse pour que vous deveniez addict. C'est comme, je sais pas, moi, j'ai jamais fumé de joint ni rien, mais peut-être que, je sais pas, si on vous dit, allez, tire un coup, je sais pas, ça te fera du bien, ça te fera oublier. Oui, c'est sûrement vrai, ça vous fera oublier, mais c'est la même chose que, en même temps, bah, après, quand vous revenez à la réalité, c'est toujours pareil. Donc, voilà, ça ne fait pas avancer les choses. Donc faites peut-être attention à ça. Ça peut être aussi l'alcool. Ça pourrait être aussi l'alcool. Ah oui, ça me parle aussi de travail. Tout à l'heure aussi, ça me parlait de travail. Donc ici, il y a quelque chose qui pourrait se passer au travail. Alors, une addiction... une offre alléchante. Moi, j'ai une offre alléchante. Mais peut-être que pour y arriver, pour arriver à recevoir, à avoir cette offre, cette nouvelle opportunité, c'est une opportunité qui va se présenter, mais pour pouvoir aller jusqu'au bout. Peut-être que vous allez devoir ruser, tromper. Faire croire que, donner l'illusion que, pour d'autres vous croyez aussi protégé, jusque là vous n'avez jamais encore été
Ben voilà, jusque-là, vous avez toujours eu beaucoup de chance, donc vous n'avez jamais, vous n'avez plus peur. Donc, mais, bon. Parfois, à force de jouer avec le feu, on se brûle, ce qui est ici. Alors, je ne dis pas qu'on va se brûler du coup, mais en fait, il va y avoir quelque chose de tentant. Mais j'ai l'impression quand même que réfléchissez à ce que ça va être, parce que vous risquez de tomber sur un bec de gaz quand même. Vous allez peut-être je vois la manipulation quand même ici. La manipulation, la dépendance. On a la force ici. Donc ça nous dit que vous avez la force, vous avez le pouvoir de dire non ou de dire oui, ça dépend. Donc vous avez le pouvoir ici, le pouvoir de décision. D'accord? Vous avez le pouvoir de décision. J'ai l'impression quand même que ça va se passer au travail. Quelque chose qui va se passer au travail. Ou on va vous demander de vous associer avec une personne. Si on vous demande de vous associer avec une personne, déjà vous dites non. Déjà, je pense ici, non. Non. Ou alors pas avec cette personne-ci. Ou réfléchissez bien avant. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Si c'est ça, peut-être que vous allez être euphorique parce que vous allez peut-être croire, ah oui mince, c'est vrai, on va s'associer, donc du coup ça va pouvoir avancer, on va ouvrir un cabinet ensemble, peu importe quoi, et du coup ça va évoluer, oui ça va avancer. Réfléchissez, parce que je pense vraiment que vous allez tromper vous trompez sur le caractère de la personne qui pourrait être votre associé. Ça concerne un travail, hein. Ça ne concerne pas ici un travail ou pas l'amour, quoi. Quoique, peut-être dans certains cas. Et on a les enfants. Bon. Vous avez le début de quelque chose qui doit... Vous devez quand même faire attention. Faire attention, oui, ne vous fiez pas non plus à des personnes qui ont l'air faibles, des personnes qui sont un peu gnangnan, des personnes qui ont l'air si gentilles, des personnes... C'est peut-être justement ce personnage, c'est ce genre de personne-là qui va justement vous tirer dans le dos. Ce sera une personne certainement... qui va vous mettre en valeur que pour se faire croire naïve, pour vous faire penser que cette personne est plus naïve, alors qu'elle est beaucoup plus que vous, elle est beaucoup plus rusée que vous, et elle va vous mettre sur un piédestal pour mieux vous faire tomber et prendre votre place. Donc faites attention, surtout à des personnes qui pourraient être beaucoup plus jeune d'esprit, de caractère, d'âge aussi. Trop jeune, vous pensez, c'est pas possible, de toute façon, c'est pas possible. À cet âge-là, elle ne saurait pas ou il ne saurait pas. Si. Donc, méfiez-vous par rapport à ça. Ça pourrait être aussi par rapport à la famille. De vous méfier, peut-être pour certaines personnes, de vos enfants, de vos beaux-enfants. Des enfants de... Voilà, vos beaux enfants, pas s'ils sont petits, hein, pas s'ils sont petits, s'ils sont ados ou s'ils sont adultes, là, peut-être oui, méfiez-vous, parce que j'ai l'impression que dans certains cas ici, vous êtes avec un monsieur ou une madame, et vos enfants ne veulent pas que vous reformiez un couple. Pour certains, avec cette personne-là. Pour d'autres, ni avec elle, ni avec personne. Oui. Et pourtant, je vais choisir une solution. Une solution qui va... vous allez vous décider et vous allez vraiment trancher. Vous allez trancher. Vous allez essayer de garder l'église au milieu du village.
Oui. L'amour qui revient, le magicien, le soleil, la sagesse, la fin. Ah oui, la roue de fortune. Écoutez, franchement, surveillez. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. N'écoutez surtout pas écoutez les conseils, mais ne les suivez pas spécialement parce que on vous envie. Donc faites attention de ne pas perdre votre place. Parfois dans la vie, il faut se battre pour ce que l'on aime. C'est pas tout de dire oui, bah, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Oui, peut-être, mais parfois il faut se battre pour quelqu'un. Donc voilà. Mais sinon, pourquoi est-ce que j'ai envie à un couple d'ailleurs, moi? Il y a du vent. Pourquoi j'en reviens à un couple? Parce que j'ai une monsieur, j'ai une madame, j'ai l'amour en milieu, j'ai le magicien, j'ai le soleil, j'ai la sagesse. Donc, mort résurrection, voyage, mort et résurrection. Donc ici, il y aura une période, après une période de tempête peut-être, eh bien, il revient à la sagesse. Et l'amour, et vous allez voir que vous êtes tous les deux, vous allez pouvoir recommencer quelque chose, ou continuer quelque chose. Voilà. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Alors, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à la situation, à une situation que vous vivez. Donc faites attention. Ne croyez pas que tout le monde est beau et que tout le monde est gentil, mais on a quand même la roue de fortune. Donc on a quand même de très très belles cartes ici qui sont sorties dans juste un avertissement. Voilà. Donc ça va. Ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre trois cartes. Pour l'amour, l'amour, pour cette journée. Alors ici, je pense qu'il y a eu une décision a été prise ou une décision va être prise. Suite à quelque chose qui n'a pas été bien compris. Ou suite à un commentaire que vous n'avez pas pu justifier, vous n'avez pas pu dire mais non c'est faux, mais non c'est vraiment pas ça. Vous n'avez pas pu justifier ce qui a été dit. Et du coup l'autre, ben... L'autre est très fâché en tout cas. Très fâché. Il y en a même qui pourraient... On va voir. Désolée, je mange un chewing-gum, mais vous savez pourquoi. Ok, ben ça va. Donc par rapport à l'amour ici, nous allons vraiment quelque chose qui va naître ou renaître. On va trouver notre voie. Donc soit on va descendre, soit on va monter les escaliers. Voilà, on va sortir, on va rentrer. C'est vous qui savez. Moi, je pense que vous faites ce que vous voulez. Moi, plutôt, j'y rentre. Moi, j'y rentre. J'y rentre et je vais voir ce qu'il y a. Et de toute façon, nous avons ici le blé, donc c'est la chance, c'est la bonne fortune, c'est l'abondance aussi. Nous avons la clé de la réussite ici. La lampe.
Donc, on a vraiment, vous voyez, on a la possibilité d'entrer et de s'éclairer. Donc, vous allez pouvoir avancer, enfin, pour les personnes qui sont en couple, qui ne savent pas où elle va, ici, vous allez vraiment savoir où vous allez. Vous allez avoir non seulement la clé pour ouvrir la porte, mais en plus, vous allez avoir la lumière pour vous éclairer, pour éclairer votre chemin. Vous allez vers l'abondance, d'accord ? Vers l'abondance. Et vous savez où vous allez. Voilà, vous savez où vous pouvez aller. Vous avez la clé de cette porte. On a le phare. Donc. Puis, on a la justice. Enfin, je donne les mots que je donne au moment. Donc, ici, il y a encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un équilibre qui va revenir. Donc, vous allez vraiment vous retrouver votre chemin. Donc, vraiment, vous allez avoir la clé qui va vous ouvrir la porte. Vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir la lumière, vous avez déjà le chemin, vous allez avoir la justice, donc les choses vont se remettre en place. Mais avant, on avait donc le phare, donc vous allez retrouver vraiment votre chemin et justice sera faite. Justice sera faite. Donc ici, justice sera faite ou alors vous allez arriver à bon port, là où vous voulez aller. Certaines personnes, vous faites des bizarres, des choses bizarres, des rêves. Oh, il y en a parmi vous qui vous rêvez d'un parent qui est décédé. Vous entendez des choses. Il y en a même. C'est comme si vous développiez un don. C'est comme si vous développiez quelque chose. De bizarre. Pour vous, qui pour vous est bizarre? Mais n'ayez pas peur. Hein? N'ayez pas peur, c'est un avertissement en fait. Si vous voyez quelqu'un dans vos rêves, une personne qui est décédée, qui revient vers vous, enfin, c'est... C'est vraiment quelqu'un qui vient vous dire fais attention. C'est peut-être pas quelqu'un qui va venir vous aider, peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui va vous dire fais attention. Oui, c'est quelqu'un qui est décédé. C'est quelqu'un qui veille sur vous. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Hein. C'était l'étoile d'ailleurs ici. Personne vraiment qui est bienveillante. C'est vraiment une personne qui vous dirige. Hein. En tout cas, peut-être que vous étiez mal parti sur un chemin. Sur le mauvais chemin, et là vous revenez vraiment on vous dirige vraiment sur voilà, la pendule ici et la pensée. Ok, je crois que sinon, si vous ne faites pas, et j'ai envie de vous dire faites attention parce que là on a un accident ferroviaire, pourrait-on dire ça, et je pense vraiment, regardez, on a justement la bougie, la chandelle, et encore une fois ceci, et encore une fois ceci, je les ai mélangés, mais bon, voilà, et voilà le train qui n'est pas encore tombé, qui n'est pas encore accidenté, je ne sais pas si vraiment c'est un train ou pas, mais enfin, moi je considère que ce sont deux trains. Et donc, vous allez vraiment être rattrapé. Il va y avoir un coup de chance pour vous aussi. Un gros, gros coup de chance. Viens, mon chien. Viens. Yo. Et voilà. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Oui, je suis gros maintenant. Hein. Mets-toi derrière moi. Allez.
Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé ici pour l'amour et pour la journée. Il y en a dit beaucoup, hein. Je n'ai pas de limite. Je suis une personne qui n'a pas de limite. Dans rien, je l'avoue. Je l'avoue. Alors, donc, on va faire la petite rune. On va faire la rune. Hein. Mon chien. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais pourquoi il est là. Parce qu'il y a des bonbons dans le tiroir. Donc j'ai coupé, je ne sais pas pourquoi. J'ai Ur et As. Ceci, c'est celle de avant-hier, je pense. Oui, je vous ai fait faux bon hier. Je le savais. Je me doutais que je n'allais pas pouvoir faire la vidéo. Mais ça arrivera encore, hein. Ça arrivera encore. C'est très difficile de... Très, très difficile de pouvoir vraiment gérer tous les jours comme ça. Mais, voilà. Allez, on prend cette rune-ci pour la journée. Et voilà, nous l'avons déjà eu celle-ci. Et oise. Voilà. Il y a plusieurs prononciations. Alors, on l'a eu à l'endroit. Toujours très bien expliqué. Toujours très très bien expliqué. Voilà. Rien que pour cette carte, nous avons ici une page avec la photo de... Vous pouvez voir que c'est écrit en petit. 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Oui, oui, franchement... C'est assez complet. C'est complet. Donc, il dit... C'est vrai que je ne vous ai pas tout lu, donc voilà. Mais achetez le jeu. C'est le but. Enfin, c'est pas le but d'acheter le jeu. Je n'en ai rien. On ne me l'a pas offert. Hein. Mais je trouve qu'il vaut la peine d'être acheté pour ceux qui aiment les runes. Alors ici, le message divinatoire de cette carte. Ici, on retient l'image de deux chevaux se faisant face... Donc, vous voyez la tête du cheval, le cou et la tête du cheval qui se font face. Donc, un cheval et l'autre cheval qui se touchent le nez, le museau, je ne sais pas comment on dit pour un cheval. Bon, si l'on retient l'image de deux chevaux se faisant face, réduit à la tête et à l'encolure pour le tracé de cette rune, on y trouve un écho à son sujet, l'échange, la rencontre et le voyage, qui commence d'abord dans la tête, qui se chargera de transmettre le message aux pattes pour mettre le corps en mouvement et avancer. Eoise est ainsi le moment qui précède tout juste le mouvement proprement dit. Celui pendant lequel notre esprit, par le biais du cerveau, décide d'envoyer à notre corps les directives nécessaires pour le faire bouger conformément à ses attentes. Il s'agit donc souvent d'une rune très fugace, à l'origine d'une réaction de cause à effet, qui, elle, s'inscrira dans le temps. Double, elle est une image de fraternité, d'union fertile au sens propre, ou métaphorique, et surtout de confiance. En tant que rune de mouvement, elle est un véhicule pour aller vers le progrès, le voyage ou le déplacement qui nous emmènera à l'aboutissement de la quête que nous nous sommes fixés.
spirituellement. Elle est la lune des voyages astro et chamaniques et peut indiquer que des réponses sont à chercher dans ces voies. Est-ce que j'ai parlé de rêve tout à l'heure dans le tirage? Si je n'en ai pas parlé, je sais que j'aurais dû le faire. Alors, je ne sais plus. Alors, toujours Vélos, elle est le point de départ d'une mise en mouvement rapide des événements qui aboutissent à l'harmonie durable et sacrée. Elle est le premier jalon des nouveaux départs. Comme tout ce qu'on a dit dans le jeu aujourd'hui, donc nouveau départ, vous savez où aller, vous avez les possibilités, la lumière, etc. Donc, ça correspond bien. Donc, elle est le premier jalon des nouveaux départs et annonce une période de transition pour aller vers le mieux. Comme un terreau fertile, Ewas fait croître tout ce qu'on lui confie, du travail aux relations, en passant par les projets et le travail sur l'amélioration de soi. Dans un tirage, elle est une image apaisante. Nous pouvons être rassurés. Bientôt, nous récolterons le fruit de notre labeur. Donc voilà pour la rune, les amis, qui est vraiment en parfaite coordination avec, qu'est-ce que tu fais? Avec nos cartes, n'est-ce pas? Avec notre tirage. Bon, alors, on va faire le oui-non, puis on va faire le oui-non, et puis on va faire un petit tirage avec les charmes, d'accord? Je vais mettre ça là. J'ai mis un petit plateau parce que je vais essayer de prendre les petits charmes aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de les trier encore. Allez, le oui-non, on va prendre mon calme normand. Qu'est-ce que tu fais? On va prendre mon petit le normand hein, que j'ai fait. Non, oui. Allez, on fait le oui ou le non. Donc, ça c'est l'ours. Donc, pour le oui, pour le... Si vous posez une question, vous posez une question, fermez. Si c'est oui, ce sera oui si l'anneau tombe. Ce sera non si la croix tombe. Dans les 13 cartes, dans la coupe, dans le mélange, ou... Si ce n'est pas tombé dans les 13 cartes, vous pouvez arrêter là. Ou on continue, pour ceux qui veulent, jusqu'à ce que la première carte tombe. Donc l'anneau ou la croix. D'accord? On y va. Pensez à quelque chose. Une question fermée. Je ne vais pas toujours tenir compte de ce qui tombe, parce que franchement, elle est très difficile à mélanger. Et puis, il en tombe beaucoup, mais de toute façon, ici, il n'y a pas. Non, le bouquet, le mont et la lune. En fait, j'ai fait trop carré. Il est rectangulaire, mais il est trop. Il n'est pas assez. Il aurait dû être un peu plus long. Parce qu'il est presque carré. Posez votre question. Voilà, on y va. Je coupe. Le poisson et le bouquet. Et on y va. Une, encore la clé. Deux. Et oui, c'est oui les amis. Voilà, c'est oui. Et si je peux, j'ai quand même envie de vous dire que ici, pour certaines personnes, vous allez aussi trouver la solution en parlant, par la parole, par des échanges verbaux.
Ça peut être une vidéo qu'on enregistre. Comme on se parle avec WhatsApp, quand on s'enregistre, on s'envoie des petits enregistrements. Ça peut être... en tout cas, c'est vraiment la clé de la réussite. Et vous, soit vous allez l'apprendre par quelqu'un qui va vous en parler. On va vous parler et on va vous donner la solution. Peut-être que quelqu'un va faire une réflexion. Vous allez entendre des gens parler. Ah oui, mais si je faisais ça aussi, moi. Vous voyez? Voilà. Donc peut-être soyez un peu vigilant aussi par rapport à ça. Sinon, c'est oui. Bon, hop. On y va du coup. Maintenant, on va faire avec les petites runes. Les runes. Parce que c'est tellement lourd que mon fond va casser. Je ne saurais pas tricher, n'est-ce pas? Alors, les amis, aujourd'hui, alors, et de la famille, il y a de la famille qui va venir pour, chez certaines personnes, je vois des déplacements assez lointains, donc ils pourraient se faire par avion, des personnes avec des enfants, un enfant qui va arriver de l'étranger, qui va partir à l'étranger, enfants ou parents, mais un nouveau départ à l'étranger. Ouais, un nouveau départ à l'étranger. Oui, on déménage, on s'en va. Je vois aussi l'armée, la police. On s'en va, en tout cas, je sais pas, il y en a qui s'en vont, voilà, il y en a qui vont s'en aller aussi par bateau. C'est marrant parce que je vois des chevaux, je vois les bateaux, je vois des avions. J'ai quand même ici le sabre, un petit sabre. Et une médaillette. Ok, alors pour certaines personnes, vous êtes encore en train de tout le temps penser, vous formez des égrégores. Il y en a certains parmi vous, vous ne sortez pas de chez vous, vous pensez. Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que ça va aller? Est-ce que j'ai trouvé du travail? Est-ce que je vais gagner au loto? Voilà, donc, et ça, vous y pensez tellement tout le temps que ça ne s'en va pas et ça, vous ne saurez pas. Il faut lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Beaucoup de chance par rapport ici. Ah, une difficulté, vous allez être aidé dans certaines difficultés que vous connaissez, que vous allez connaître, non? Enfin, oui. C'est encore un avion, ça? Oui. Décidément.
Décidément. J'ai une maladie ou un décès pour un meilleur ami, pour un ami très très proche. Ou alors un déménagement pour un ami malade qui va aller à l'hôpital. Quelqu'un qui va aller à l'hôpital, un ami ou un amant. Alors. Ouh, là, il y en a qui se prennent la tête parce que vous êtes en dispute amoureuse, là. Vous êtes en dispute amoureuse. Vous vous prenez la tête. Vous savez, vous voudriez trouver la paix parce que je pense que ça peut être un peu de votre faute. Vous avez dit quelque chose ou il y a eu quelque chose et du coup, on s'est pris la tête. Vous allez avoir la solution pour certaines personnes qui est indépendant. Vous allez avoir la solution, on va venir vous apporter. Vous allez avoir la solution par courrier, par écrit, SMS, mail, etc. Ou alors de la part d'une personne du passé. Pour certains, j'ai aussi un divorce ici. Un divorce qui va être acté. Il va être acté, le divorce. De la chance. Moi, je vois aussi de la chance avec un animal de compagnie. De la chance avec un animal de compagnie. En tout cas, cet animal a été là dans les moments difficiles. Et maintenant, il passe peut-être un moment difficile aussi, l'animal. Mais normalement, il devrait y avoir de la chance. Pour certaines personnes, pour certaines dames, pour certaines personnes, vous devez peut-être vous méfier d'une dame. D'une dame. Je vois une dame qui cache son visage, en fait. Une dame qui cache son visage, qui le montre, qui le montre, qui le bouge, comme avec l'éventail. Elle cache son visage. C'est peut-être quelqu'un qui est grimé, qui se tait les cheveux, quelqu'un qui change son apparence. Ça vient, je ne sais pas d'où. On me le dit.
Alors, des personnes qui vont étudier, vous allez faire des révisions, étudier dans un parc. Dans un parc. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, étudier, lire, ouvrir un courrier. Et vous allez rencontrer une personne à ce moment-là, dans là où vous serez. Ce serait certainement. J'ai beaucoup de papillons ici. J'ai beaucoup de papillons. J'ai des trèfles quand même. Hein. La petite fée. Ah non, c'est pas une fée clochette, ça, si. Ou c'est une. Si, c'est une petite fée. Je croyais que c'était cigogne. Voyez quoi ce que je veux dire. Justice, une justice pour une dame. Oui, ça c'est aussi le divorce. Donc par rapport à un divorce, ici en l'occurrence, il y a une justice pour une dame. Donc on va trancher aujourd'hui. Un raccommodage, la clé, le livre, un raccommodage, la clé de la chance. De la chance. La clé encore, ouais. Il faut attendre l'hiver. Pour certaines personnes, voilà. Ce que vous vous demandez, il faut attendre l'hiver pour la bague. L'hiver, vous aurez votre bague. Une grossesse malheureuse. Une grossesse malheureuse, il pourrait même y avoir une fausse couche. Pour une personne. Maintenant, hein. Oui. Voilà. Je peux toujours me tromper, je suis pas le bon Dieu. Hein. Ok. On fige, on fige. Lisse. Le temps. L'encre, les poissons. La queue. La fin d'un bateau. C'est devant, la poupe c'est derrière, c'est ça? En tout cas, ça me parle de la du derrière d'un bateau, derrière l'arrière d'un bateau. Pour certains, je ne sais pas, l'arrière d'un bateau. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça peut que ce sont des événements qui pourraient aussi toucher d'autres personnes. Je ne sais pas. Les crayons, j'ai le livre. Des dessins. Pourquoi des dessins? Je vois des dessins. Beaucoup de. Il y a beaucoup de choses par rapport à des enfants ici. Il y a des fêtes d'anniversaire peut-être. Fête d'anniversaire, des trajets, beaucoup, beaucoup de chance pour certains enfants. Un nouveau chemin, on a la paix ici, on veut la paix. Oui, on a des prises de tête avec avec le cœur, donc on veut vraiment retrouver. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre couple ou dans votre avec quelqu'un que vous aimez et ça va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Je sais pas pourquoi l'oiseau s'est envolé. L'oiseau s'est envolé.
faire des petits charmes. Je ne tiendrai pas compte des gros, d'accord. Bon, bon. Un enfant qui va aller chez le dentiste. J'ai Mickey. Mickey. J'ai des enfants. J'ai beaucoup d'enfants encore ici. Beaucoup d'enfants encore. Déjeuner. Petit déjeuner. Il y a des enfants qui sont malheureux ici. Je vois des enfants malheureux. Des enfants qu'on va peut-être prendre. On va peut-être prendre des enfants dans leur famille. J'ai beaucoup d'étoiles de mer, des étoiles, j'en ai beaucoup. J'ai des papillons, beaucoup. J'ai là-dedans avec le... Il y aura une grande, grande protection aussi pour certaines personnes. Une très, très grande protection. Oui, oui, oui. Une énorme protection. Donc, vous allez pouvoir, que vous soyez petit ou grand, hein, on va vraiment vous protéger. On va vous protéger comme si vous étiez un enfant, en fait. Vous aurez, pour certains, bien évidemment, tout le monde n'aura pas besoin de ça, mais... Pour certains, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui vous aime inconditionnellement et qui vous aidera à supporter ou à supporter. Je vois aussi quelqu'un qui descend de... C'est comme si on perdait un petit peu sa notoriété, voyez ? On perd un petit peu son pouvoir. Vous devez couper les liens. Pour certaines personnes, vous devez couper les liens avec la famille, avec votre maman, votre papa. Frère, sœur, enfin, il y a des liens à couper pour pouvoir avancer. Sinon, vous ne saurez pas avancer. Oui, je vois quand même un décès ici. Hein. Il y a quand même un décès. Un décès suite à une maladie, ici. En tout cas, entre autres, mais ici, j'ai un décès suite à une maladie. Il y en a ici qui vont recevoir une invitation pour aller dans un grand restaurant, manger dans un grand restaurant ici. Cette semaine. Ou très très. Ou dans peu de temps. Il y a une. Ouais. Ah, ici je vois des études qui vont s'achever. Ou que. Enfin voilà, ce sont des études pour moi d'architecte. Des études très pointues, des études où on doit être précis. Ça peut être architecte, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être... C'est quelque chose que vous allez réussir. Oui, oui, oui. Vous allez réussir. C'est quelque chose que... Voilà, on doit utiliser beaucoup de matériel, de précision pour pouvoir faire ce que l'on fait. Alors, soit vous allez écrire un livre qui... En ce sens, écrire un livre. Ou soit vous allez étudier par rapport à... Par rapport à quelque chose que vous aimez, que vous adorez, qui vous fascine.
Donc oui, il y en a qui vont aller, vraiment, vous allez aller être invité. Vous allez être invité cette semaine. Coup de chance. C'est vraiment une personne à qui vous tenez. Peut-être que c'est un ami aussi, ou c'est l'ami d'un ami. C'est quelqu'un que peut-être que vous n'aviez plus vu depuis longtemps, ou qui ne vous avait plus vu depuis longtemps. C'est peut-être une personne un peu plus âgée que vous, qui vous a connu enfant, et qui vous revoit maintenant. Et du coup, maintenant, cette personne, elle a craqué. C'est un coup de foudre, ou un coup de cœur, un coup. Ah, on fige le temps ici. On fige le temps. On fige le temps. Ah, il y a un amour ici qui va. Voilà, il y a vraiment ici un amour qui va commencer, qui va être ancré, qui va être juste. Des choses qui vont devenir justes. Peut-être un divorce, mais on arrête peut-être le divorce. On arrête le divorce pour justement se. On arrête le divorce pour se reconcentrer sur soi. On va parler de maladie. Oh. Il y a quelque chose qui va se passer. On va tourner la page avant que ce ne soit commencé. Ou on commence quelque chose, mais on va devoir tourner une page. Ça ne se fera pas. On essaie quelque chose, mais ça ne va pas aller. On arrive. Oh, ouais, ça va être difficile. Waouh. On va rester là parce que là, j'ai fait quand même très longtemps. Encore un avion. J'ai dit le principal. Donc voilà. J'avais oublié, pas vu mon araignée par contre ici, attendez. Ici on travaille fort, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup pour subvenir à ses besoins et aussi. Par rapport à une maladie, peut-être. On a beaucoup travaillé. On a essayé beaucoup de choses. Bon, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas vous parler du tout, bien sûr. Donc, voilà. On va rester là avec ceci, n'est-ce pas? Maintenant, on va lire. On va lire l'almanach de la sorcière. Pour ça, on regardait pas. Je jette mon chewing-gum. Allez, les amis. Le 12 février. Alors, le 12 février, le génie du jour, c'est Michael. Ce génie est la vertu des forces supérieures. Il permet de voyager en sûreté et protège les politiciens et les gouvernants. Formule d'appel. Le Seigneur te gardera de tout le mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur. Le Seigneur te gardera de tout le mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur. Parfum du jour d'anniversaire. Donc la violette, le champaka, le patchouli. J'adore le patchouli.
Jour de chance aujourd'hui donc, pour acheter, pour louer, pour vendre un terrain, une maison ou un appartement. Pour tout travail de création. Pour les commerçants et pour ceux qui travaillent dans l'hôtellerie et les relations publiques. Pour obtenir un crédit bancaire, pour récupérer de l'argent, pour toutes sortes de questions d'argent. Oh oh. Pour soigner les cuisses, les hanches et le nerf sciatique. La recette du jour pour accélérer la venue d'un événement souhaité. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, les amis? Alors, une écorce de bois mort. Une limace. Une feuille de salade. Une boîte. Méthode. Je sais pas, c'est pas dégueulasse. Trouez le couvercle de votre boîte et enfermez-y la limace, l'écorce de bois mort et la feuille de salade. Lorsque l'écorce est couverte de nombreuses traînées luisantes du pinçage de la limace, jetez-la en haut du haut d'un pont, enjambant une rivière, en formulant votre souhait intérieurement. C'est cruel. Voilà. Un chef ou un prince, des mauvais esprits ici. La magie est dans la nature. Le Seigneur te gardera de tout le mal. Je vous montre donc cette page du 12 février. Et voilà. J'aime pas de mettre à l'avance. C'est jamais ce qui peut arriver. Je peux être mort demain. Et bien voilà, mes amis. J'ai été longue. Hein. Longue, longue, longue. Bon, on va essayer de faire plus vite de temps en temps. Plus long de temps en temps. On va. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Passez une très, très belle journée. Et n'oubliez pas, cet intérêt général, il ne parle pas à tout le monde. Et surtout, restez positif. Bisous, bisous.